Hé, hey, Henri, t'as 5 minutes? Je suis pas ta mère, ok? Oh, sale gosse. Allez, générique. Hey les fans de ciné! Ici Critiqueur. Au cinéma, les enfants apportent cette touche d'innocence, de joie, de bonne humeur qui nous permet de rire, pleurer ou fondre devant notre écran. Mais tous les enfants ne sont pas sages. Dans cet épisode de Ta 5 minutes, nous allons voir ensemble l'histoire des sales gosses sur grand écran. Quand ont-ils débarqué? Qu'est-ce que cela apporte au 7e art? Et vont-ils nous terrifier encore longtemps? Ce sont quelques-uns des aspects que nous allons découvrir ensemble. Je précise qu'il n'y aura pas de Denis Lamalisse ou de Kevin McAllister dans cet épisode, les protagonistes présentés ici étant un peu plus terrifiants. Ah, et bien entendu, attention aux spoilers. Et avant de commencer, éloigner les enfants de l'écran, ça pourrait leur donner de mauvaises idées. Allez, c'est parti. Le sous-genre des enfants diaboliques au cinéma débute apparemment avec le film La Mauvaise Graine en 1956, dont la base initiale est un roman de William March paru en 1954. Le film traite de la possibilité de transmettre des gènes criminels à ses enfants en nous présentant une gamine sociopathe et meurtrière. En 1960, sur un ton plus surnaturel, sort Le Village des Damnés de Wolf Ria, dont John Carpenter fera un remake en 1995. L'intrigue se déroule dans un petit village tranquille où des enfants viennent inexplicablement au monde et se mettent à semer la terreur grâce à leur terrifiant pouvoir surnaturel. Le reste des années 60 reste assez discret sur le sujet. Il faut attendre les années 70 pour un retour du genre. Nous avons, entre autres, Le français est dérangeant mais ne nous délivrez pas du mal en 1971, Le bizarre et astral l'autre en 1972, Le viscéral le monstre est vivant en 1974 et ses suites, Le culte les révoltés de l'an 2000 en 1976, L'arrivage de l'antéchrist avec la malédiction toujours en 1976 et sa suite en 1978, et du body horror avec Chromosome 3 en 1979. Les années 80 jouent aussi avec nos nerfs en nous présentant plusieurs métrages du genre. Le bancal et brûlant de Six gentils petits monstres en 1980. Le tendu et sans fondement Les tueurs de l'éclipse en 1981. Le rural et inquiétant Les démons du maïs en 1984. Et le flippant cimetière en 1989. Durant les années 90, la combinaison de plusieurs affaires d'enfants criminels et la course contre les films violents, notamment en Angleterre avec l'affaire des vidéos Nasties, ont certainement contribué à diminuer la production de métrages impliquant des mouflets maléfiques. Les métrages en question ont été remplacés par des films plus légers, avec des enfants turbulents mais nullement meurtriers. Mais pour cette période, on peut tout de même citer Baby Blood en 1990, film français gore à souhait, l'invraisemblable et violent Mickey en 1992, Kevin McAllister en version maléfique dans Le Bon Fils en 1993, et le remake du film Le Village des Damnés en 1995. Papa ne va plus tarder. Ça n'est pas drôle, pose-moi ça. Comme tu voudras. Et là, il y a les années 2000 qui débarquent et qui nous offrent une blinde de nouveaux métrages. L'incroyable Battle Royale en 2000 et sa suite en 2003. De l'intrigue française avec Un jeu d'enfant en 2001. Du Home Invasion en Roumanie avec Hill et du remake Pato avec La Malédiction, tous deux sortis en 2006. Et du Kidnapping qui tourne mal avec Whisper en 2007. L'année 2008, elle, nous envoie du lourd. Du Ghost de Riche Maléfique avec Joshua,
du week-end qui tourne mal avec Eden Lake, du thriller exotique avec Vinyan, et des fêtes de fin d'année sanglantes avec The Children. L'année 2009 est également assez généreuse, de l'inattendu avec Esther, du bébé zombie avec Grace, et du cas d'école avec le K39. Tu veux jouer avec moi ? Les années 2010 sont également passablement bien fournies en la matière avec une réflexion sur l'horreur de la maltraitance dans Dark Touch en 2014, du Joyeux Noël avec Watch Out en 2016, de la comédie avec Little Evil et de la télékinésie tentaculaire avec Stephanie, tous deux en 2017, du dédoublement avec Double Mortel en 2018, ainsi que du super méchant en devenir avec Brightburn, de la thérapie de choc avec Ellie et du remake avec Cimetière, tous trois sortis en 2019. Et pour les années 2020, nous avons eu droit jusqu'ici au dérangeant The Innocent en 2021 et Esther revient pour nous raconter comment tout a commencé dans Esther 2, Les Origines en 2022. Je n'ai pas cité plusieurs films comme Evil Baby en 1975, Ring en 1998, ainsi que ses suites et remakes, Unborn en 2009 ou encore The Door en 2016, vu que les sales gosses dans ces films sont majoritairement des esprits. Et là vous allez me dire, pourquoi il y a des enfants maléfiques au cinéma ? Des êtres innocents qui se mettent à commettre des actes innommables avec une froideur absolue, qu'est-ce qui pourrait faire plus peur que ça ? Cet aspect est extrêmement bien représenté dans La Nouvelle Graine de 1976. Et là, vous allez me dire, pourquoi un début de ce sous-genre cette année-là ? Alors, en creusant un peu, je pense qu'il serait possible de faire un lien entre la sortie de ce film et le baby-boom qui a eu lieu aux États-Unis entre 1947 et 1965. Ça peut être flippant, sans déconner, ça peut être flippant. Hein. T'as des mouflets absolument partout et bim, tout d'un coup, il se retourne contre les adultes. Tu vois un peu l'angoisse ? Mais bien entendu, la base de l'idée, c'était quand même de montrer un visage innocent, commettre des actes atroces pour choquer l'audience. À la fin des années 80 et durant les années 90, vu qu'il y a eu passablement d'affaires criminelles impliquant des enfants comme coupables, les films de ce sous-genre se sont gentiment calmés. Et tout d'un coup, dans les années 2000, c'est reparti. Or, le grand retour des mouflets maléfiques au cinéma, ça coïncide plus ou moins avec la sortie en 2006 du remake de La Malédiction, et je pense que les studios ont vu là un moyen de se faire un marché assez juteux en présentant à nouveau des enfants diaboliques à l'écran. Et vu que la médiatisation a aussi changé durant les années 2000, notamment avec l'arrivée d'Internet, les affaires avec des enfants comme criminels se sont un peu noyées dans la masse et ça a permis de faire également le retour des bambins tueurs au cinéma. Tant qu'il y aura des enfants, donc pas comme dans le film Les Fils de l'Homme, aujourd'hui, la Terre entière est frappée de stupeur après l'annonce de la mort de Diego Ricardo, la personne la plus jeune du monde. Ce sous-genre, avec la représentation de l'innocence en façade cachant un mauvais fond, fonctionnera toujours. Et pourquoi ? Parce que cela fait partie d'une des craintes les plus profondes de l'humanité, voir la lumière se transformer en ténèbres. Et vous, fans de ciné, vous avez des enfants ? Vous arrive-t-il d'en avoir peur ? Connaissez-vous d'autres métrages où des garnements partent complètement en cacahuète ? N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur ce bon vieux pouce bleu et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Vous retrouverez également mon site internet, ma boutique en ligne et ma page Facebook en description. Sur ce, fans de ciné, je vous laisse et n'oubliez pas, on a toujours 5 minutes pour apprendre de nouvelles choses. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Bon visionnage et à bientôt pour une nouvelle vidéo.
cette touche d'innocence, de joie, de bonne humeur qui nous permet de... Dans cet épisode... Épisode... J'enregistre au moins. C'est là que tu vois qu'il y a des trucs qui n'enregistrent pas, t'es là. J'attends une voiture qui passe. En 1960, sur un ton plus surnaturel, sort Le village des damnés de Rolf... Des êtres innocents qui se mettent à commettre... Ouais. Et là, vous allez me dire pourquoi un début de ce sous-genre cette année-là. Et vu que le système de médiatisation... Et vu que le système de médiatisation... T'arrives pas à dire ce mot. Cut.